Salut tout le monde, c'est Jeux Vidéo Continue. On se retrouve pour le 10e épisode de Resident Evil 4. Donc, dans l'épisode précédent, on avait emprunté le passage après la maison dans laquelle on s'était fait attaquer par une horde de zombies. Donc en gros, il y avait deux chemins. Donc on avait choisi le chemin de gauche et on est atterri dans un endroit. Je sais pas comment appeler ça. Ça a pas vraiment de nom. Bref, c'était un endroit où on s'était fait attaquer, enfin où on s'est fait attaquer par deux infectés avec une tronçonneuse assez flippante. Donc voilà, on les avait tués, puis on a passé le chemin, puis on est arrivé ici. Une fois de plus, on n'avait pas fait grand-chose. Donc ici, on a une porte en face qui, pour le moment, bon, on n'a pas essayé, mais je pense pas qu'on puisse passer vu qu'en plus c'est fermé. Et on a le chemin là-bas, donc là-bas on peut y aller, mais on va pas aller là-bas tout de suite. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire demi-tour, et on va emprunter le deuxième chemin pour aller ici, pour qu'on puisse récupérer ce qu'il y a là-bas, tout simplement, pour ne rien oublier. Donc c'est parti. Alors. Bon, j'ai fait un petit accéléré le temps de refaire demi-tour. Donc à tout de suite. Ok, donc là il va falloir qu'on active la manivelle dans l'autre sens pour ouvrir l'autre chemin. C'est parti. Ok. Ça sent l'embuscade. En plus là-bas c'est fermé. Ouais, je le sens pas du tout. Et il y a une roche là-bas. Ouais. Ok, ouais, bah c'était évident. Et bah viens ici. Quoi? C'est une blague? Oh, non. Pourquoi elle est pas venue? Bref. Par contre, on reste ici. Wait. Je sais qu'il y a une pierre, je l'ai vue. Hein. Stop. Arrête de laguer. Qu'est-ce qu'elle fait? What? Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Pardon. Ok, en fait, nous, on se retrouve de l'autre côté. Ouais. Non. Pourquoi t'es avec moi, toi? Pourquoi? Bon bah écoutez, on est déjà mort deux fois. Ouais, je pense que le total des morts va augmenter. Et toi par contre, suis-moi. Suis-moi. Ah, je me suis raté. Ah, la blague. On va devoir se laisser mourir, hein, parce que de toute façon j'ai même plus de balles. J'ai plus rien du tout. Bon allez, fais-toi plaisir, viens la tuer. Je t'en fais cadeau. Je suis désolé. Ah. Ah mince. Bon, grave. On l'a tué de même. Ok, trois morts. Ça commence très très mal.
Donc, c'est reparti. Allez, viens là. Viens ici. Mais viens. Ok, c'est raté. Et j'ai encore raté. C'est une blague. C'est une blague. Ouais, on va pas galérer pour ça quand même. Est-ce que si on lui met la pierre dessus, il va mourir tout de suite ou non? Je pense pas. Selon tous les cas, on va galérer vu que j'ai vraiment plus de balles. Il me reste que le sniper et je pense pas qu'on va pouvoir faire grand chose avec. Hein. Par contre, s'il te plaît, Ashley, tu me suis. Allez, viens. Ok. Ouais non. Il meurt pas. Acheter des pêches, cours, cours, passe entre ses jambes. Ah mince, dans l'autre sens. Et si je me trompe de chemin, ça va pas le faire. Allez, entre ses jambes. Faut qu'on aille là-bas, vite. Allez. Mais si. Ouais. Tu peux pas réussir à le tuer, c'est pas possible. Allez. Je veux bien, mais moi je veux le tuer là. Je veux pas partir. Attendez, attendez, ça va pas le faire ça. Il faut qu'on le tue. Allez, suis-moi, passe entre ses jambes, dépêche. Et on va là-bas. Ok, en plus il nous a mis plein de trucs. Ah oui, non, faut qu'on le tue, en plus c'est des trésors et tout. Il y a de l'argent partout là. Vous avez obtenu une vieille clé. Et ça nous sert à quoi ça? Ah, c'est pour ouvrir la porte du fond. On a l'incendiaire, parfait. Non, 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 on va se faire choper, on va se faire choper. Ah, en plus, il n'y a plus rien qui le stoppe. Ouais. Je vais lui jeter la grenade. Ouais, ça va pas faire grand chose. Ah, mais ça va pas le faire. Ils sont pistolet, fusil, TMP. On va prendre ça en attendant. Allez, allez. Ah, c'est dommage, j'ai plus... J'aurais des balles, ça aurait été nickel, mais là j'ai plus de balles. Est-ce qu'on peut pas la cacher, elle aussi? Oh la blague. Y'a pas une caisse pour la cacher? C'est une blague. Non! Ok, j'ai de la chance. Ok, parfait. Allez, abaisse-toi. Ok, en fait, il va falloir faire que ça. Des allers-retours. Allez, viens. Mais le problème, c'est que je peux pas cacher Ashley. Reste au sol, merci. Allez, merci mon gros. Ok, là j'ai plus de balles. Je vais être obligé d'utiliser le sniper. Eh bien. Et on passe entre ses jambes. Allez, cours, cours, cours.
même pas sûr qu'on ait assez de balles. Ah, ça va être de la galère. Et bien ici, mon gros. Bouge pas. Elle entre ses jambes. Ashley, allez, Ashley, Ashley. Ashley. Ok, j'ai eu peur. On arrive à la voir, c'est pas possible. Nickel, on va recharger avant qu'il tombe. Allez vite. Allez Léon, allez. Pas encore. Allez Ashley, cours, 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 cours. Hop, on se retourne et on l'attend. Te point. Reste derrière moi pour éviter que tu te baisses pour rien. Allez, Ashley, cours. Il est vraiment con. On va pas se le cacher qu'il est un peu court le mec. Hein. Bref. Baisse pas! Sinon, tu vas prendre du temps pour te relever. Allez, t'as raison. Bouge-toi. Ouais. Passe entre ses jambes, bien ici. Je pense qu'encore une fois, et ça va être bon. Ok, nickel. Allez, Ashley. Allez, allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pas encore. Non, la blague. Ah si, c'est bon, ouf. Ok. Bon, bon, on a bien fait, parce que là, franchement, il y a beaucoup d'argent à gagner. Vous avez obtenu 15 000. Parfait. Ok, ça c'est fait. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas beaucoup de balles. Parce qu'on aurait pu réussir plus facilement et beaucoup plus vite. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va récupérer le trésor que j'ai vu là-haut. Mince, je pensais que j'aurais pu... What? Il y a des balles là. J'avais même pas vu. Je pensais que j'aurais pu couper le câble, j'allais dire. Mais non. Attendez, là, si... Attendez, attendez, attendez. Si je tire dessus, il va tomber dans l'eau. Enfin, il va tomber dans le seau, plutôt. Peut-être qu'il faut que je fasse tomber carrément le seau. Non. Il n'y a pas un moyen de... de le faire tomber. Attendez, vous avez pas dire que je pouvais grimper en haut quand même. Bah non.
Ah, attendez, peut-être que je peux envoyer Ashley. Bah non. Attendez, là, j'ai pas compris. Bon, au pire, on va tirer sur le trésor, c'est pas grave, s'il tombe dans le seau. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah. La blague, je l'avais même pas vu ça. Je ne l'avais même pas vu. Ah bah non, il est au bord du seau. Ok. Vous avez obtenu gemme pourpre. Ok, un nouveau trésor. On va essayer de le combiner. Examiner déjà. Gemme pourpre, là. Les marques figurant sur cette pierre indiquent qu'elle était sertie dans un objet. Ok, on a trouvé. C'est le masque. Masque dans lequel une gemme a été insérée. Et il nous en faut deux autres. Alors par contre, la clé, normalement, ça va être pour la porte du fond. Ok, bon, on a encore pris beaucoup de temps pour faire ça, hein. Faudrait qu'on avance quand même un petit peu plus vite. On prend la petite clé. Utiliser. Nickel. Et on revient ici. Donc, on va aller revoir le marchand. Welcome. Got a selection of good. What are you buying? Ouais, mais c'est le problème, c'est que est-ce que il y a quelque chose qui on va améliorer. What are you buying? Je vais essayer d'améliorer juste le TMP, la puissance de feu, vitesse de recharge, puissance de feu. Is that all, stranger? Oui. Thank you. 14 000. Ah, c'est cher. C'est très très cher. C'est trop cher même. 15 000. What the fuck? Fusil à pompe. 15 000. Pistolet. 7 000. On va améliorer. Is that all, stranger? Ce pistolet. Thank you. What are you buying? Est-ce qu'on l'achèterait pas le lance-roquette? Mais j'ai pas assez de place. Donc non. On va acheter la crosse TMP. Ok. Bon. Pour un moment, je crois que pour le moment, je pense que ça fera l'affaire. On combine. Et on l'équipe. Et j'ai même plus de balles. Donc comme ça, on va moins bouger, c'est plus stable. Mais j'ai plus de balles. Donc, bah écoute, on va y sauvegarder. Hop. Nickel. Et bah on peut continuer. On peut. Donc... on va essayer d'ouvrir cette porte, mais je pense qu'on ne peut pas. Impossible de l'ouvrir. Ça doit être le seul moyen de quitter ce village. Cette lueur, on dirait un dispositif de reconnaissance rétinienne. Ouais, donc va falloir qu'on aille là-haut. Alors attendez, je crois que j'ai mis une caisse. Pas du tout. Va falloir qu'on aille là-bas. Alors est-ce qu'on fait ça pour cet épisode ? Le problème c'est que l'épisode, si on fait pas ça, l'épisode sera un peu court. Donc, je sais pas du tout. Attendez, là-bas y'a quoi? Y'a un chemin. Au pire on fait que ça, puis on s'arrête là-bas. Ouais, ouais. Par contre c'est quoi les étoiles trésor? Attendez, c'est une blague. Les étoiles, c'est les trésors. Ce qui voudrait dire
que j'ai oublié un trésor. Juste ici. J'aurais dû regarder ça avant. Bref, bon, écoutez, on va faire ça. Donc, on va se prendre le petit sniper parce que j'ai eu des mecs au loin. Notamment lui. Est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres ? Je ne pense pas, donc... Donc c'est parti. Ouais, ok, il y a des mecs qui vont arriver en face. Et ils pensent qu'ils vont m'avoir en plus. Ils me prennent pour qui? Je vais encore me retrouver sans balles, c'est pas possible. Ok. Normalement, ça devrait être bon. Parfait. Donc, ici. On dirait les panneaux de commande de la nacelle. Il vaut mieux ne pas y toucher maintenant, je l'utiliserai pour m'échapper. Par contre, je me trompe pas, sur la map j'ai bien vu qu'il y a un marchand pas loin. Oui, où je tourne à gauche. À gauche. Ok, un château. Le château. Ouais, il est là normalement. Oui. Mais en plus, il me donne des trucs gratos. Welcome. Et t'as rien de nouveau. Donc on va te laisser tranquille. Donc bah écoute, on va sauvegarder ici, on va cesser ici pour cet épisode. Une fois de plus, on n'a pas encore fait grand chose à cause du monstre là. Parce que je n'avais plus de balles. Donc, bon, c'est pas grave. Donc, bah écoutez, pour le prochain épisode, on continuera le chemin. Donc on entrera dans la grotte là, dans cette grotte bizarre là. Avec des fenêtres. Mince. Donc pour ce qui est des trésors que j'ai peut-être oubliés, notamment celui-ci là. Eh bien, écoutez, tout simplement, on ira le récupérer avant de prendre le chemin qui est ici. Donc la porte où il nous faut l'insigne oculaire, là. Donc par contre, d'après ce qu'on peut voir là, si on va ici, on va en fait retourner au village. Non, dans la ferme. Je crois que c'est ça. Mais attendez, je comprends pas là. J'arrive pas à comprendre un truc. Puisque cette porte là, on l'avait déjà pris. Sauf qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin.
vu que c'est grâce à cette porte-là qu'on a pu aller au lac. Attendez, le lac il est où? Il est là. Ou je me trompe? Bah non, je me trompe pas, c'est pas possible. Ah non, je me trompe, ouais. Ouais, je me trompe. Donc en fait, ouais, si on est arrivé dans cette ferme... Bah non. Attendez, je me souviens plus. Il y a un problème quelque part. Il y a un gros problème quelque part. Attendez, en fait, j'ai oublié plein de trésors. Oh, la blague. J'aurais dû vérifier ça avant. Bon, bref, tant pis. Dans le pire des cas, si on peut pas y retourner, on y retournera pas. Mais si on peut y retourner, on y retournera. Enfin, je pense que j'y retournerai en accéléré pour récupérer tous les trésors. Bref, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est quoi, c'est ici pour cet épisode. Alors, est-ce que j'ai sauvegardé? Je me souviens plus. On va re-sauvegarder au cas où. Nickel, toi tu peux en regarder avec tes yeux rouges. Donc voilà, bah écoute, on va se laisser ici pour cet épisode. Donc bah comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, laissez un like, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, et on se dit à la prochaine. Salut!